Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Nathan Fallenstein. Je profite que la nuit tombe pour vous faire ma petite introduction. Je vous souhaite donc la bienvenue sur les terres d'Arad. Ça faisait longtemps que j'avais plus dit ça et ça me fait plaisir de le dire. Retour aux sources oblige, donc la saga des terres d'Arad, on y retourne. Et on va aujourd'hui s'attaquer au toit de ce truc. Ou plus exactement à la voûte interne. Parce que le toit sera modifié, enfin sera fait par-dessus une voûte que je vais essayer de construire. Et pour construire la voûte. Je vous avoue que je vais en fait utiliser dans un premier temps, comme vous le voyez, plein de terre pour me faire une idée et puis pouvoir changer ça plus vite. Sauf que j'ai vu qu'il manque un pan de mur. Ça c'était con. Alors voilà. Je suis en train de prendre de la pierre pour le pan de mur manquant. Je peux pas le remettre là, c'est ennuyeux. Voilà. Alors, tant pis pour la terre. Hein. C'est pas très grave. Je remonte, je vais piéter. Il veut pas. Donc on va attaquer le pan de mur manquant. Alors bonne nouvelle, normalement dans la 1.2, que je mise à jour je n'ai pas faite pour mes raisons de compatibilité et de mode, on va pouvoir remplacer tous ces blocs par des escaliers et ça va rendre trop bien. Donc ça je suis assez content. Ici je vais voir pour finir ce mur. Ici sur celui-là en fait. Voilà. Ah, je vais démonter. Ah, je me pète les jambes. Alors j'ai retiré mon armure justement pour que quand je me pète les jambes ça fasse pas trop mal. Je fais n'importe quoi. J'en suis navré. Hop, hop, hop. On va faire ça comme ça. Je le fais assez vite parce que comme vous le voyez la nuit tombe assez rapidement. Ça fait des couleurs dans tous les sens. Je sais pas ce que j'ai fichu. Je sais pas ce que j'ai fichu à mon Minecraft, mais les couleurs sont trop bizarres. Ça vient peut-être de l'installation d'un mod, ou peut-être que j'ai merdouillé avec le MC Patcher, aucune idée. Et je trouve les couleurs trop bizarres. Donc c'est le Misa Texture HD Texture Pack, hein, Misa Réalistique, pardon. En 64 par 64, pour ceux qui se demandent, toujours le même pack. Je parle trop vite. Je sais pas pourquoi, mais je parle trop vite, alors je vais vite me rentrer. Peut-être que j'ai mis le mode couleur, là, le truc qui permet d'avoir au pack de texture de prendre possession, enfin de modifier les différentes des cou certaines couleurs du jeu, donc je sais pas, c'est peut-être ça. Il y a un Enderman qui se balade là, il vient de TP, j'espère que c'est pas pour moi, j'ai pas mon armure, j'ai pas envie de fight un Enderman. Il est où? Il y a un creeper là-bas, on va le laisser où il est, le creeper, il y est bien. J'entends l'Enderman qui se balade. Il a pris des dégâts. Il se TP du coup. J'aime pas ça. Seriously, j'aime pas ça. J'ai pas du tout envie de me fight avec un Enderman maintenant. Bon, tant pis. Tant qu'il m'embête pas. Donc là, il y a encore un petit bout de mur. Je vais monter encore là-haut, il y a encore des petits bouts de mur à modifier. Je vire cet escalier qui va me gêner. Et je crois, sauf erreur, que j'ai mis deux cases là en bas. Alors je vais essayer de voir. Ouais. Non, je vais redescendre pour être sûr. Désolé. Ouais, c'est ça, il y a deux cases de haut, donc il faut deux cases en haut aussi. Moi j'aime bien quand c'est symétrique. Ça pourrait être un Gaulois, Symmetrix. Ça l'est sûrement d'ailleurs. Hop, alors on va finir vraiment de monter les murs à la hauteur qu'il faut qu'ils soient. Et vous entendez que j'ai remis la musique. J'espère que ça vous spamme pas trop. J'ai remis la musique tout doucement. Parce que ça me manquait un peu. On va voir si elle va me manquer vraiment ou pas. Ou si elle va m'agacer très prochainement, comme ça a déjà en train d'être le cas en fait. Je sais pas. Donc saga des terres d'Arad, hein, on est de retour. Pour ceux qui se demandent, on construit toujours une église. Et c'est toujours aussi compliqué parce qu'il va falloir faire une voûte. Et j'appréhende la manœuvre. C'est pour ça aussi que je traîne un peu, puis que je veux vraiment être sûr que les murs sont montés à leur véritable hauteur définitive avant de me lancer. J'ai pas envie de recommencer. De toute façon, je vais me péter les jambes dans tous les sens, hein, ça c'est clair.
J'ai pas envie de devoir recommencer plein de fois pour relever le truc, alors je monte les murs à leur hauteur maximum. Ça donne presque envie de se mettre en mode créatif, je vous avouerai. J'ai pas assez de pierre, hein. C'est assez déprimant. Bon, on risque de faire quelques allers-retours encore. Et tout ça, je vous l'avoue, pour retarder l'échéance de la voûte qui me fait très peur. Bon, j'ai une bonne idée de la hauteur que je veux avoir. Donc moi, ce que je proposais, en gros, ça consiste à mettre un pilier là, un pilier là, un pilier là, un pilier là, un pilier là. Et ben, logiquement, ça fait un pilier là. Problème, c'est qu'il y a une case du sol à faire une drôle de voûte, hein. Si je laisse qu'une seule case, ça va faire un drôle de voûte. Alors je me demandais, par exemple, je fais des tests en live, hein, parce que je pense que ça peut vous intéresser, pour me donner votre avis. Si je mettais un pilier là, un pilier là, et un pilier là. Même chose de l'autre côté. J'ai l'impression qu'il y a du lag sur ma souris, je sais pas ce qui se passe. Vous mettez les piliers ici. Bon, bah, après, ça fait forcément, on arrive, il y aura un pilier. Vous mettez les piliers ici. Vous les montez donc à hauteur de mur. Et ensuite, vous vous servez des escaliers. Des escaliers en pointe, des escaliers 2.0 de là 1.2. Je vais me péter quelques jambes. Voilà. Ensuite, vous vous servez des escaliers de la 1.2 pour faire une simili-voûte. C'est-à-dire que vous posez un bloc là. Et un bloc là. Je m'y prends n'importe comment, désolé. Donc ça, c'est le pilier, hein. Posez des blocs comme ça et vous foutez des escaliers à l'envers dessous. À mon avis, ça colle. À mon avis, ça colle. Ça doit donner quelque chose de pas trop trop moche. À tester. Franchement, à tester. Après, il va falloir que je compte du coup la largeur de ce truc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de largeur. Donc je note. Je vais prendre une feuille à côté de moi parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut que je note. Oh là. J'ai en fait tout tomber. Alors ça ira pas. Ça, celle-là, elle est bien. Donc 9 de large. Je vais faire une petite coupure. Je vais faire une petite coupure, je vais passer sous Paint, je vais faire quelques calculs savants. Et je vous reprends tout de suite après pour voir faire un premier pan de voûte entre ces deux-là. Allez, à tout de suite. Alors pour vous, c'est dans une seconde. Allez, on se retrouve. Pour vous, ça fait même pas une seconde. Pour moi, ça fait un peu plus parce que j'ai entre deux été faire quelques trucs. Donc on est toujours dans le monastère. Je me suis dit, tiens, un café, ça fait plaisir. J'en avais besoin. Allez, peut-être m'entendre m'interrompre. J'espère que vous m'entendez pas déglutir, ce serait dommage et ce serait désagréable. Enfin bref, on est parti là. On va donc j'ai fait mes petits schémas là. Je prends, j'ai sous les yeux ce truc là. D'ailleurs, il faut que je me gaffe de pas parler trop près du micro, ça va saturer sinon, ça va vous faire des bruits bizarres. Donc en principe, je devrais pouvoir m'en sortir. Donc l'idée c'est que l'arc de cercle part d'ici. 1, 2, 3. Et ensuite, ben, il suffit de faire ça. Hop. 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 Et hop. Voilà, je vais virer les traits de construction. Je vais me péter la gueule surtout. Hop, attendez voir. Ouais, non, ok, alors j'ai fait n'importe quoi. Donc, si, c'est ça.
Alors, on vire les traits de construction. Ça, ça. Attendez voir. Non, je me suis brouté. Je me suis brouté, c'est ce que je me disais. Hop, ça, on joue. Alors, ça, c'est le pilier. On avait dit, ça, c'est le pilier. Je suis devant le pilier. Donc, je dois mettre un truc là. On vire ça. Ensuite, je dois mettre un truc comme ça. Je dois mettre un truc comme ça. Et puis ensuite, là, ça devrait partir droit pour 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, ben, je peux plus passer par là. Alors, c'est un tout petit peu technique, c'est un tout petit peu handicapé. Alors, il faut aussi que je puisse rejoindre de manière safe ce pilier-là. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Parce que j'aimerais éviter de me péter trop les jambes quand même. On sait jamais, une mauvaise chute peut faire mal assez vite. Et j'ai oublié hein, de virer les traits de construction, comme j'appelle ça. Donc il faut virer celui-là et celui-là. Et aïe. Bon, on voit que la chute n'est pas mortelle, hein, mais je me méfie quand même. Ok, 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 ok. Alors du coup... Du coup, on n'aime pas à gauche. Hein. On est d'accord, c'est pas joli à gauche. Ah non, ça c'est une base de pilier. Donc à gauche, en fait, il faut faire comme ça. Comme si c'était la même voûte qui allait s'encastrer directement dans le mur. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On est d'accord sur ce point, je pense que c'est ce qu'il y a de plus joli. Après, on va lisser les traits avec des escaliers à l'envers, je pense. Tout simplement, on va lisser les traits avec des escaliers à l'envers et ça va donner quelque chose de bien. Alors, je vais faire la construction de l'autre côté tout de suite. Et à ce niveau-là, ce sera bon. Alors, ouais, donc on avait dit que ça faisait tac. Ensuite, ça fait comme ça. Et pas du tout. Alors, il y a un truc qui joue pas. Il y a un truc qui joue pas. Et je ne vois qu'une seule explication, c'est que le pilier de départ n'est pas assez haut. Maintenant, ça joue. Non, celle-là, on la vire pas. Et je vais vite me rentrer avant qu'un creeper vienne me faire péter tout ça. Pourquoi ? Donc, si jamais vous vous posez la question, je fais tout ça avec de la bouse hein, pour pas avoir à gaspiller de la pierre pendant que je fais mes tests. Vous avez vu que j'ai pété beaucoup de blocs, je dois faire des piliers, je dois faire des trucs. Autant tout faire en bouse. C'est une ressource tout à fait dommageable. Toujours ce café qui fait que je m'interromps. Il est bon mon café d'ailleurs. Un peu fort pour l'heure qu'il est. Mais il est bon. Alors le jour se lève, j'ai rien regardé. Je vais me faire exploser mon monastère. Vous voyez cette couleur de sable là à cause de ce... J'allais être vulgaire sur le biome marais qui s'est installé à côté de mon monastère. Franchement ça me casse les pieds. Hein. Alors, j'espère d'ailleurs pour la prochaine vidéo qu'on sera en 1.2, que je puisse essayer les escaliers. Je ramasse un peu la bouse qui traîne. Du coup, ça c'est juste. Il reste à faire la même chose là. Donc ça fait une construction de ce genre là.
Non, pas du tout. Hop. Hop là. Alors, ce qui m'embête, c'est que ben, le toit du monastère, du coup, de l'église, va être 4 fois plus haut que celui de la salle capitulaire. D'ailleurs, d'ici, on a une bonne vue. Hein. Une fois que ce sera aménagé, ce sera assez sympathique, je pense. Mais là, pour l'instant, priorité à l'église. Ouais, faudra vraiment que je fasse la mise à jour pour pouvoir tester le. Wow! Pff, aïe! Aïe! Je me suis pété les jambes. Je vais être bientôt obligé de manger pour revenir. Il y a un de mes blocs de boost qui est devenu un bloc d'herbe, sans déconner. Je vais monter le pilier, je vais le monter proprement. Ah, c'est toi, espèce de Enderman. Attendez voir, moi je vais lui régler son compte à lui là. Il est où? Ah mais... Espèce d'Ikounas, il m'a laissé un bloc. Non mais Sandre, sérieusement là, c'est n'importe quoi. Bravo Mr. Enderman. Bon, ça c'est fait. Donc les Enderman, ils sont jaloux, ils s'amusent à faire de la construction aussi, ils veulent aussi pouvoir poser des blocs. En fait, ils sont super jaloux. Il est en train de se TP dans tous les sens. J'espère qu'il viendra pas m'embêter. Je monte les piliers. Et je pense qu'on est parti pour 2-3 épisodes là-dessus, parce que je dois vous avouer que... Je viens de l'entendre, il m'a fait sursauter l'espèce de... Et franchement, reste là. On a une discussion à avoir, toi et moi. Allez, viens, 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 viens. Enderman, où es-tu? T'es là-bas. Allez, je te regarde dans les yeux. Allez, je te regarde dans les yeux, là. T'as l'air, tu m'as vu? Ok, il m'a vu. Alors, toujours rester en mouvement quand vous combattez un Enderman. Il va pas, de toute façon, vous taper sur la gueule à un moment ou à un autre. Alors, j'étais sûr d'avoir pris l'aggro, mais il m'attaque pas. Alors, hop, si je peux le retrouver, il est là. Tiens, tu m'as vu, toi? Allez, hop, je l'ai eu avant qu'il puisse se TP. Par contre, je suis content, l'herbe du cloître est redevenue normale, donc le biome a encore changé sur la 1.1. Je ne sais pas ce que c'est que cette histoire, mais j'ai des biomes qui bougent. J'ai des biomes qui bougent. Et j'ai un Enderman que j'avais pris l'aggro, que je sais pas où il est parti. Et que je peux pas trop m'arrêter pour voir. Alors où es-tu, sale bête? Je vais pas passer ma journée à combattre un Enderman, hein. Chose à faire. Je lâche pas les chiens parce qu'ils vont se faire des pop. Bon, moi je sais pas où il est parti. Je vais monter encore un pilier. Alors la question, ça va être comment on goupille ça. Notamment depuis ici. Comment je goupille la fin. Est-ce que je fais un espèce de tunnel? Puis est-ce que je fais une pseudo-voûte encore entre les piliers? Non, en fait, ça va plutôt donner un truc comme ça. Ça va donner un truc comme ça. Qui vont se relier les différents piliers entre eux, qui seront la base de la voûte. Et c'est de 1 pas assez haut. C'est de... Non, c'est juste ou pas?
Non, c'est devant, pas assez haut. Vous voyez pourquoi je ne fais pas tout en pierre directement. Tout simplement pour ça. Non, trop de tests, trop de trucs. J'ai pété un bloc qui n'en était pas un à péter. Donc voilà, ça c'est fait. Pendant que je suis là. Je monte ça. Juste m'écarter pour pouvoir virer les deux blocs inutiles. Je peux pas monter l'autre côté parce que ben, je vais me faire des pop. Alors, je suis à ce niveau-là. Là, il y a un pilier, c'est juste. Hop, hop. C'est un tout petit peu. Un peu complexe. Donc, ben forcément, je parle un peu doucement, peut-être d'ailleurs, pendant que j'y pense. Je me concentre pas mal. Pour des trucs qui ont l'air faciles et qui ne le sont pas forcément. Si, en fait, ça, du coup, ça a des bonnes chances d'aller jusque là-bas. Donc, un truc comme ça. Et après on arrive sur une voûte qui fait ça. Je crois que j'ai entendu l'Enderman qui revenait. Donc après on arrive sur un truc comme ça. De ce côté-là, en tout cas. Hop là, hop là. Et vous voyez, il va me falloir encore sacrément deux blocs de pierre. Donc... Eh ben, bah moi j'en ai pour du minage encore, tout simplement. Il va falloir que je retourne miner. Et c'est pas vraiment une voûte, hein, comme vous voyez, ça fait pas vraiment voûte. Je redescends mon perchoir. Et j'ai aucune idée du temps qu'on a passé ensemble. Surtout que j'ai couru après un Enderman. Ça fait, à mon avis, à peu près 2 journées Minecraft quand même déjà. Donc, le soleil descend. Bon, bah vous avez une première idée de ce que ça va pouvoir donner. Et ben vous allez me dire ce que vous en pensez. Je réponds déjà à les éventuelles remarques. Oui, ça va être sombre. Et c'est un peu le but. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous en refais un dès que possible. J'espère pouvoir alterner pendant quelques temps entre Morrowind et la saga des Terres d'Arad. Au niveau contenu, on ça et les live Millennium. Hein, je rappelle le live sur la web TV Minecraft Millennium tous les lundis soirs à 21h. D'ailleurs, ben ce soir, vu que cette vidéo vous a été postée, ben on est lundi. Et donc ce soir, donc 21h sur la web TV Minecraft Millennium, vous trouverez l'adresse dans le descriptif. Je suis en stream live dans la Twilight Forest pour un affrontement contre le Naga. Et j'espère pouvoir m'en sortir vivant. Donc je vous invite à venir. Ça va être épique. Et j'espère que ce sera sympathique. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me donner vos suggestions, comme d'habitude. Vous pouvez même mettre du pouce vert, ça fait toujours plaisir. Tiens, ça faisait un moment que j'en avais plus parlé, donc j'en profite. Et salut à tous, portez-vous bien.